Comment créer des emplois pour favoriser l'émergence d'ici 2025 au Gabon? La question fait débat dans le pays à l'occasion de la présidentielle prévue ce samedi 27 août 2016. Avec un taux de chômage avoisinant les 30%, la création d'emplois, surtout durables, sera l'un des grands défis du prochain président. Nous sommes une population d'à peine 1 million et quelques d'habitants. Nous avons un problème majeur d'emploi, tout simplement parce que nous n'avons pas encore intégré que ce qui fonde le développement d'un pays, ce qui permet un emploi adéquat et efficace, c'est la formation. Lorsqu'on regarde l'économie nationale, avec les potentialités qu'il existe, il aurait fallu que nous déterminions d'abord les besoins stratégiques de notre économie pour ensuite déterminer les formations qui vaillent pour pouvoir effectivement avoir des formations qualifiantes pour que les Gabonais qui sortent de ces établissements, non pas seulement avec les diplômes, mais qui s'insèrent aussi facilement sur le marché du travail. Un taux de chômage qui ne cesserait de progresser avec une durée moyenne de chômage avoisinant les 6 ans. Afin de pallier à ce phénomène, diverses politiques ont été mises en place ces dernières années par l'exécutif. Toutes les sociétés au Gabon de plus de 50 salariés implantées au Gabon depuis au moins 3 ans ont l'obligation de prendre 5% de leurs effectifs en apprentissage. Un décret, le numéro 100, a été pris le 7 mars 2016, justement, pour matérialiser en acte cette grande décision. Cela n'empêche que pendant la période transitoire de 2014 à 2016, nous avons plus de 1000 jeunes âgés entre 16 et 35 ans. Les chiffres sont connus, vous pouvez passer à l'Office national de l'emploi, on vous donne même les noms, qui ont été insérés en apprentissage. Afin d'impulser l'inversion de la courbe du chômage au Gabon, depuis quelques années, l'Office national de l'emploi a étendu ses agences dans 5 provinces sur les 9 que compte le pays. Le secteur pétrolier, qui contribue à hauteur de 60% aux revenus du pays, devrait être à la pointe de la promotion et de la création d'emplois au Gabon.